Bonjour et bienvenue à cette vidéo d'introduction sur Grass Pebble. Alors, l'outil Grass Pebble Map, on en a fait une auto-formation dans un but de vous faire une présentation sommaire. Alors, vous voyez ici un exemple de ce que ça peut avoir l'air au niveau du tableau blanc que l'on peut ouvrir. Alors, on vous donne le contexte d'utilisation. Bien sûr, ça peut servir d'un outil d'apprentissage. Ça peut nous permettre de garder des traces. Donc, ça pourra nous permettre de faire de la triangulation pour pouvoir porter notre jugement professionnel. On vous a mis aussi les principaux éléments de la compétence numérique que ça peut développer. Alors, et les références pour les différents documents. On estime que pour voir les 14 vidéos et réaliser les travaux demandés, vous pouvez prévoir environ 1 heure, soit une journée de travail. Ça peut parfois être moins si vous ne faites pas toutes les activités. Vous pouvez aussi avoir accès à différents badges, comme vous pouvez le voir ici dans le tableau. Alors, si on regarde la première section, Canva, on va vous montrer comment faire l'interface, comment fonctionne l'interface et comment faire la gestuelle de base. Donc, c'est toujours présenté avec de courtes vidéos et des petits défis pour vous lancer en action et vous demander de relever le défi. Alors, si je reviens dans la section Canva, vous pouvez donc découvrir l'interface et la gestuelle de base. Vous pouvez faire les opérations simples et par la suite passer à la création d'un compte. On vous montre aussi les opérations sur les fractions. Par la suite, on vous invite à demander le badge de Grass Pebble Math. Dans la section suivante, vous allez aller un petit peu plus loin avec le Canva, donc l'outil Keypad avec les différentes fonctions, dont la boîte vide. Donc la boîte vide, c'est un peu comme notre inconnu, notre point d'interrogation qui nous sert à créer des équations. Un petit peu plus d'informations sur les options avancées, donc toujours soutenues avec des vidéos et des défis. Les fenêtres graphiques et les opérations un peu plus complexes pour les élèves du deuxième cycle du secondaire. Vous avez aussi un document ici de référence pour les options de configuration si vous voulez configurer vos activités pour que les élèves aient accès à différents éléments et qu'ils reçoivent l'activité que vous préparez dans le fond dans ce format. Principalement, c'est très utile pour les activités que vous faites pour les petits où il y aurait moins d'options, donc il y a moyen d'avoir des tableaux simplifiés. Dans la section activités, donc c'est les ressources qui sont pardon, sur la plateforme. Donc vous allez pouvoir découvrir l'interface de l'enseignant, comment on fait pour faire nos activités, consulter les tutoriels. On va voir aussi d'autres activités qui sont déjà faites, qui sont partagées par d'autres enseignants. Vous pourriez aussi découvrir comment créer votre propre activité. Comment créer une session d'activité, partager un code et l'assigner à vos différents groupes. Alors, la dernière partie concerne la politique sur la vie privée de cette plateforme. Alors, je vous invite à jeter un coup d'œil sur tout ceci et à explorer Grass Pebble Math. Alors, bonne exploration!